Les fêtes approchant, je pense que pour moi c'est le moment parfait de vous présenter cette recette qui est une de mes véganisations préférées, puisque quand j'étais pas végane et végétarienne, donc quand je mangeais encore de la viande, eh bien j'adorais le bœuf bourguignon, c'est vraiment une de mes recettes favoris. Et je pense que je suis pas la seule, mon vegan bourguignon est juste irrésistible. C'est vraiment à l'approche des fêtes le plat parfait à faire pour vous. C'est sûr que ça va vous bluffer si vous aimez le bœuf bourguignon, vous allez être vraiment ravis. Et aussi pourquoi pas le faire goûter aux gens de votre entourage qui sont pas végétariens ou véganes pour leur montrer à quel point c'est ressemblant et vraiment c'est délicieux. Donc je suis trop contente, je vous montre ma recette de vegan bourguignon. Mais avant ça, je vous montre les ingrédients. Si vous n'aimez pas le tofu, si vous n'aimez pas la texture du tofu, donc là dans cette recette il remplace les lardons, il ajoute vraiment de la texture qui est très intéressante puisqu'il rajoute de la mâche, et aussi c'est pour le goût fumé qui donne à la sauce que moi je l'utilise. Mais si vous n'aimez pas le tofu, vous pouvez tout simplement mettre du paprika fumé ou mieux de la fumée liquide, et je pense que ça fera l'affaire. Mais voilà, c'est possible de faire cette recette autrement si vous n'aimez pas le tofu. Magnifique vegan bourguignon, je suis très fière, je pense que vous allez adorer. Le goût est vraiment extrêmement proche de celui du bœuf bourguignon. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des remarques à me faire concernant la recette. Si la recette t'a plu, mets-moi un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et si tu veux voir d'autres recettes de ce type sur ma chaîne, il suffit juste de t'abonner.